Monsieur Pierre Santini nous accueille, a bien voulu nous recevoir pour quelques minutes d'entretien. Bonjour Monsieur Santini. Bonsoir. Alors avant de vous poser la première question, j'aimerais tout de même dire pour nos internautes que nous sommes très très heureux de vous recevoir parce que ce n'est pas qu'un homme de télévision, pas qu'un homme de théâtre que nous recevons, c'est un artiste complet et même pas qu'un artiste puisque vous êtes occupé d'autres organismes comme l'ADAMI et je suis sûr que vous aurez des choses très intéressantes à dire à nos comédiens. Alors toutefois, première question pour ouvrir l'interview, quelle est la raison de votre présence à Saint-Tropez, Monsieur Santini? La raison, c'est que... Il y en a deux, si vous voulez. La raison principale, c'est que je suis président de l'ADAMI, qui est la Société des artistes interprètes, particulièrement des acteurs et des actrices. Et donc, l'ADAMI a pensé qu'il était intéressant d'être partenaire du Festival de Saint-Tropez. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce matin, dans le cadre du festival, une sorte de table ronde autour du problème de la place des acteurs français dans les coproductions européennes et internationales. C'est-à-dire que nous pensons que il y a de plus en plus de productions de caractère européen dans le domaine de la télévision et que les acteurs français, parce qu'il y a des coproductions avec la France, sont employés dans ces coproductions. Mais ça se fait à certaines conditions, quelquefois difficilement. Il y a des quotas, il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de cachet, il y a des problèmes. Alors tous ces problèmes ont été débattus ce matin et il en est sorti un débat assez intéressant qui prouve que nous avons tout à fait intérêt à avoir un regard sur l'Europe, sur la manière dont l'Europe se construit, y compris dans le domaine de la télévision et une confrontation des cultures, de nos métiers, de nos pratiques, etc., peut se faire à l'intérieur de ces coproductions où les Français ont leur place à prendre, ont leur place à tenir, je dirais. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de la pratique de l'anglais, parce que beaucoup de coproductions se tournent en anglais. On a parlé de la différence de cachet qu'il peut y avoir d'un pays à l'autre. Beaucoup de vedettes, de stars françaises ont la réputation d'être assez chères, par rapport au marché. Mais on peut dire aussi que les pratiques d'un pays à l'autre varient. Et puis il y a le problème des agents, des castings. Comment un agent accède-t-il à un scénario, je sais pas, de coproduction avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre? Comment peut-il placer les acteurs ou conseiller à des acteurs d'être candidats dans des castings ou des auditions de films qui se tourneront dans d'autres pays d'Europe. Alors tout ça pose des vrais problèmes, problèmes de réseau, d'information et tout, que nous avons essayé de débattre ce matin. La deuxième raison de ma présence ici, c'est que j'ai beaucoup pratiqué la télévision. J'ai fait beaucoup de feuilletons en série, beaucoup de téléfilms, et que donc, je crois qu'il y a une manifestation qui intéresse la télévision, et particulièrement la télévision française, où j'ai quand même pas mal roulé ma bosse. Ça m'intéresse comme acteur, comme artiste, de venir voir ce qui se fait et tout. Voilà. D'accord, très bien. Alors justement, revenons directement à votre métier d'acteur. On peut dire que c'est votre premier métier, l'actorat. C'est celui que vous défendez le plus ou vous préférez le côté administrateur? Attendez, c'est mon seul métier. Je ne suis pas administrateur, je suis président de l'ADAMI. À titre tout à fait gracieux et militant, je fais ça parce que j'aime mon métier d'acteur et que je donne un peu de mon temps à une responsabilité, disons, professionnelle collective. Mais sinon, c'est pas mon métier d'être président de l'ADAMI. Je n'y gagne rien. Ça me D'accord, prend c'est... beaucoup de temps, mais mon vrai métier, mon seul métier, c'est d'être comédien. Et un comédien de théâtre, un comédien de cinéma, un comédien de radio, un comédien de télévision, un comédien de doublage, de tout ce que vous voulez, qui de temps en temps fait des mises en scène, de temps en temps prend des responsabilités. Mais mon métier, depuis l'âge de 20 ans, c'est d'être acteur. D'accord, c'est bien entendu, Monsieur Santini. Alors par contre, quelle est votre formation justement, à la base, votre formation d'acteur? Ben ma formation d'acteur, elle est très simple, c'est-à-dire que je suis parisien, né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, donc j'ai été formé à Paris et j'ai été formé au cours Charles Dullin, qui à l'époque était au Palais de Chaillot dans le TNP de Jean Vilar avec Gérard Philippe, avec Soranou, tous ces gens-là. Et donc j'ai été formé, on peut dire, dans le creuset du TNP.
Et puis plus tard, j'ai fait d'autres cours, le cours Jacques Lecoq et tout ça, qui m'ont permis petit à petit d'accéder au métier par la porte normale, c'est-à-dire d'avoir des petites compagnies théâtrales, et puis la télévision qui à l'époque, je veux dire, pas démarrait, parce qu'elle avait déjà démarré, mais qui à l'époque était quand même très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Quand j'ai commencé à faire ce métier, il y avait une chaîne de télévision en noir et blanc. Voilà, qui s'arrêtait le soir à 11h ou minuit, et qui... Alors donc, vous voyez, aujourd'hui, la différence que ça peut faire. J'ai vu donc, j'ai vécu en une quarantaine d'années toute l'évolution de la télévision, et j'y ai modestement participé, forcément. J'ai vu arriver la deuxième chaîne, j'ai vu arriver la couleur, j'ai vu arriver le magnétoscope, j'ai vu arriver... les chaînes privées, je vais arriver, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au numérique, au satellite et Internet. Est-ce que, avec votre formation, avec votre carrière, est-ce que vous pensez, là on s'adresse à des comédiens, des jeunes comédiens pour certains, est-ce que vous pensez que les cours sont essentiels, la formation en cours? La première chose que je veux dire, pour que ce soit bien clair, c'est que c'est un métier. C'est une passion, ça peut être ce qu'on appelle vulgairement une vocation. Je dis vulgairement parce que vocation, ça a un côté un peu comme ça mystique et métaphysique, non? Ça peut être une chose qu'on a en soi et qu'on a envie d'exprimer au-delà de tout, mais c'est avant tout un métier. Donc comme tout métier, faut l'apprendre. Faut l'apprendre dans des cours, à l'école, dans des conservatoires, mais il faut aussi l'apprendre dans la pratique. C'est un métier qu'on perfectionne toute sa vie, je crois. J'ai la sensation, moi, après de nombreuses années, de quand j'attaque un nouveau rôle, d'être un petit peu comme ça, vierge. Et ça me fait aussi peur que quand il y a 20 ans, j'abordais un rôle. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un débutant. C'est une fausse impression, parce qu'on acquiert du métier. On acquiert des techniques, on apprend à appréhender un public, on apprend à lire un texte, on apprend à bouger en scène devant une caméra, etc. Bien sûr que ça s'apprend, mais c'est toujours à réinventer, parce que d'abord les styles de jeu évoluent, les techniques de travail dans lesquelles on est évoluent. C'est-à-dire, vous pourriez préciser, les styles de jeu évoluent? Vous parlez d'époque? Oui, je parle des époques. Oui, bien sûr, je dis qu'aujourd'hui, en 2003. Je pense que les comédiens ne jouent pas comme en 1960 quand j'ai démarré, ça c'est sûr. Je pense que le cinéma, la télévision, le théâtre, l'évolution théâtrale ont amené des styles de jeu, des recherches de jeu qui en profitent à tout le métier. Et un homme comme Antoine Vitez, un homme comme Patrice Chéreau dans le théâtre... les hommes de télévision, les grands réalisateurs de télévision qui étaient Bluval, Lorenzi, Chouchan, Crier, etc., ou que sont encore aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas tous morts, heureusement. Le cinéma, la pratique même du cinéma, la nouvelle vague à l'époque a amené des types de comédiens nouveaux, des styles de jeux nouveaux, c'est sûr. Et le cinéma des années 50 et le cinéma d'après la nouvelle vague, c'est pas la même façon de jouer les choses. C'est pas la même façon d'écrire, c'est pas la même façon de filmer. Donc tout ça, c'est des évolutions normales. Et on est aussi très dépendant de ce qui arrive de l'extérieur, du monde de l'international. Quand j'étais jeune comédien, il y avait le Théâtre des Nations. Les Allemands du Berliner Ensemble, les Italiens du Piccolo Théâtre, les Russes du théâtre de la Taganka ou du théâtre de Stanislavski, ou les Américains du Living Theater ou de Bread and Puppets arrivaient quand Grotowski nous présentait ses spectacles, et certain que ça a eu une influence sur nous tous. Et je pense que nous aussi, aujourd'hui, le théâtre français, le cinéma français, ont joué un rôle aussi dans la manière dont les Américains, les Anglais, les Allemands appréhendent leur métier, ça c'est sûr. Donc c'est un métier toujours en mouvement. Si vous aviez un acteur, un jeune acteur devant vous, une jeune actrice, parce que vous faites de la mise en scène, donc je suppose que ça doit vous arriver de voir des auditions, d'assister à des auditions. Si vous aviez un jeune acteur devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? J'entends par là au niveau de l'audition, au niveau de la présentation d'une audition.
Ben d'abord, je lui dirais, ne fais pas ce métier si tu n'as pas la sensation au fond de toi que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas vivre. Essentiel, vital. Fondamental, parce que ton métier est très difficile, on en prend plein la figure, on a des moments extraordinaires de bonheur, on a aussi des grands moments de détresse, on n'a pas toujours du travail, et il n'y a rien de plus malheureux au monde qu'un acteur qui ne travaille pas parce qu'il n'a rien, parce qu'un acteur qu'on ne demande pas, c'est comme un jardin en friche. C'est un homme ou une femme malheureux parce qu'il a l'impression qu'il n'est pas aimé, qu'il ne plaît pas. Pour rencontrer le public, faut trouver du travail et faut plaire. Bon. Donc, je lui dirais, prends bien la mesure à la fois de toutes les ambitions que tu peux avoir, mais aussi toutes les souffrances que tu peux rencontrer. La deuxième chose que je lui dirais, sois à la hauteur des enjeux de notre époque, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas raconter l'être humain, on ne peut pas raconter le monde qui nous entoure, simplement comme ça, sur l'intuition. Aujourd'hui, on appréhende la société des hommes, la manière dont elle fonctionne, avec un minimum de savoir, avec un minimum de... Il faut savoir un petit peu comment l'homme fonctionne dans la société d'aujourd'hui et quelles sont les analyses qu'on a pu faire sur son comportement. La troisième chose que je lui dirais, lis beaucoup, vois beaucoup de choses, sois un artiste de ton temps en sachant ce qui se fait, en allant voir des films, en allant au théâtre, en regardant la télévision, connais l'expression de ton époque. Et la quatrième chose que je lui dirais, n'arrive pas dans un état d'impréparation en te fiant à ce que tu crois être ton talent. Le talent, c'est une chose, la chance, c'en est une autre, le charme, c'en est un troisième, mais là, c'est surtout, travail, arrive préparé. Quand tu as une audition pour entrer dans une école, dans un cours, pour aller voir un réalisateur, pour un film, pour un scénario, prépare-toi. Apprends bien ton texte, essaie de savoir ce qu'il y a derrière, lis entre les lignes, exerce-toi. C'est un métier où il faut travailler en permanence. Alors, c'est facile de donner les conseils, est-ce que je le fais moi-même, pas toujours le temps. Et puis il y a des enjeux plus ou moins élevés, mais je dirais ça, et puis après il fera ce qu'il voudra avec. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que là... On sent aussi le formateur qui transparaît. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, lire à travers les lignes? Il s'agit de comprendre un texte, de savoir lire un texte, mais comment on lit à travers les lignes d'un texte? Eh bien, un texte, c'est un matériau à la fois mort et vivant. Mort, en ce sens que vous prenez une pièce de Molière, ça fait 300 ans que ça a été écrit, ça ne bouge plus d'une syllabe, personne ne va corriger... Le texte de Molière. Dans quelques traductions. Pardon ? Dans des traductions pour les pays étrangers. Oui, bon, le traducteur essaiera d'être fidèle à l'esprit. Bon. Mais enfin, en français, je prends un exemple comme ça, vous avez un texte et c'est des mots écrits sur du papier. Ces mots, on les lit, chaque époque, on lit ces mêmes mots et à chaque époque, on réagit différemment devant. On réagit différemment. Hamlet au 19e devait être un héros romantique. Puis tout d'un coup, Richard Burton arrive, et ça devient un jeune chef de guerre. Tartuffe a été un hypocrite, puis après il a été un politicard, après il a été un charmeur, etc. Bon, on peut lire différemment des personnages ou des histoires. Je crois que lire entre les lignes, c'est essayer de voir ce qu'il y a derrière le texte, et à partir de là, faire des choix. Je choisis, en lisant Tartuffe, d'orienter plutôt le personnage de ce côté-là plutôt que de ce côté-là. Je le fais pas tout seul, je le fais avec d'autres. Je le fais avec un metteur en scène, un dramaturge, des acteurs. Mon esprit critique, mon esprit d'analyse doit être en permanence en éveil pour être à la hauteur des enjeux. Pour que je ne sois pas un objet qu'on manipule, une marionnette, qu'on dit tu fais ça, tu comme ci, comme ça, etc. Pour pouvoir être un artiste créateur, il faut que je puisse mettre dans la balance non seulement ma sensibilité, non seulement mon métier, mais aussi mon intelligence et mon analyse des choses. Après, on la confronte à celle d'autres et c'est comme ça que naît une pièce, naît un film. C'est parce que c'est un art collectif où chacun amène quelque chose. Et puis, il y a des gens qui sont chargés dans ce processus collectif d'orienter les choses dans un sens plutôt que dans un autre.
généralement le dramaturge et le metteur en scène, disons le metteur en scène et le réalisateur. Mais l'acteur doit être un élément important du processus créatif. Il ne peut pas être qu'un joyeux objet qu'on met là et qu'on place là comme on a envie de le placer. C'est mon sentiment. Je ne parle qu'à titre personnel. Bien, Monsieur Santini, je crois que nous allons conclure l'interview sur ces quelques mots. J'espère que tout le monde aura pu saisir le premier pas mal, mais les perles, c'est pas ostentatoire ce que je dis de votre discours. Et en tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité et votre amabilité. Mais je vous en prie, c'était un plaisir.